Nous allons démarrer aujourd'hui cette formation. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis Frédéric Brouze, donc chef de bureau adjoint à la direction générale de l'enseignement scolaire, donc au bureau de la formation des personnels enseignants. Et plus particulièrement, et c'est pour ça que j'ouvre cette demi-journée, donc plus particulièrement investi dans le cadre du plan de formation aux valeurs de la République, dont je suis le responsable au niveau national. Donc voilà. En tout cas, bienvenue et je remercie encore une fois tous les présents, en fait, participants à ce plan national de formation. Nous avions jusqu'à à peu près 90 sans connexion, en tout cas sur la matinée du précédent PNF. Donc, nous avions également... est-ce qu'on pourrait fermer les micros, s'il vous plaît, par contre, parce que sinon je vais entendre un écho. Merci. Donc, nous avions également une cinquantaine de présents l'après-midi pour les ateliers. Donc, voilà, juste une petite description très rapide avant de passer la main aux intervenants. Une petite description très rapide de la journée, enfin de la demi-journée. Tout d'abord, en fait, une restitution relativement brève, à peu près 10 minutes des ateliers, 10 minutes par atelier, des ateliers, on va dire, auxquels vous avez participé mardi dernier, donc qui nous permettront un petit peu de revenir sur la synthèse et les contenus qui ont été développés au cours de ces ateliers. Et dans un second temps, nous allons travailler non plus en atelier d'approfondissement autour des grandes thématiques qui ont été énoncées la fois précédente, mais en atelier, on va dire, interacadémique. Alors, je ne vais pas revenir sur le contenu. Vous avez des intervenants bien plus prestigieux qui sont intervenus toutes les matinées. Vous avez fortement échangé et nous verrons en fait que voilà, cela donnait lieu quand même à des échanges assez fructueux. Donc, nous avons voulu construire la formation comme, on va dire, non pas n'importe quelle formation, mais lui rendre un versant très utilitaire. Le PNF, le Plan National de Formation, certes, apporte des apports théoriques, des apports d'actualité justement aux stagiaires, mais pas uniquement. L'objet du PNF, c'est véritablement ce qui va se passer cet après-midi. C'est d'arriver à partir d'une ressource existante, donc voilà, que vous avez pu consulter, je l'espère, en tout cas depuis mardi, c'est-à-dire le Vademecum UMI, et à partir, on va dire, d'une grande orientation nationale, d'y trouver des déclinaisons académiques. Donc c'est bien là l'objet, en fait, de tout le plan national de formation, et c'est bien là l'objet de cet après-midi. Donc aujourd'hui, nous allons aboutir vraiment à ce qu'on appelle l'atelier production. Donc, bien évidemment, cet atelier production, il ne pourra être fait sans vous, sans votre participation, sans votre apport. Un apport théorique, puisque on voit dans la liste des 46 présents cet après-midi que vous êtes de différents horizons, de différents types de corps de métier, et donc avec des cultures à la fois différentes et communes qui pourront enrichir ces productions. L'objet, c'est d'arriver à faire une proposition d'offre de formation à la fin, ou du moins, voilà, un plan de proposition d'offre de formation que vous pourriez développer au niveau académique et que nous puissions bénéficier de vos idées pour pouvoir ensuite ainsi les mutualiser. Donc voilà, c'est véritablement, je pense, le cœur aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous remercie de participer à ces ateliers et d'y participer jusqu'au bout pour que, voilà, nous n'ayons pas, on va dire, un rythme et des échanges décousus. Donc voilà, donc c'est vraiment l'objectif. Alors, avant de revenir sur les détails techniques, voilà, je vous préviens à l'avance qu'on avait prévu un certain nombre d'ateliers par regroupement, par région académique, dont vous avez reçu les liens. On va regarder un petit peu les connexions progressives des collègues cet après-midi pour voir si on ne vous répartit pas progressivement les ateliers. Mais je referai un point à la fin des différentes interventions. Alors, afin de lancer un petit peu justement le travail réflexif, une synthèse du travail réflexif qui a été effectué par vous lors des précédents ateliers, afin de vous donner des idées pour la construction des plans en académie, voilà, nous allons traiter dans l'ordre du déroulé, c'est-à-dire des différents ateliers, une petite synthèse d'une dizaine de minutes par atelier. Alors, malheureusement, comme vous avez pu le voir, puisqu'il y avait eu une déperdition, l'atelier 1 sur l'expression médiatique des élèves n'a pas pu réellement avoir lieu, ou du moins il n'y a pas eu
réelle, on va dire, il n'y aura pas de réelle restitution puisque les participants étant trop peu nombreux. Alors, nous allons donc développer les quatre autres ateliers durant ces 40 prochaines minutes. Atelier 2, EMI, vecteur engagement citoyen par Madame Grandpierre, DAVL de Nancy-Metz. L'atelier 3 sur les compétences et parcours de l'EMI, présenté par Guillaume Jiquel de la DGESCO et Madame Lamoureux de la DNE. Ensuite, l'atelier 4, EMI, vecteur de développement de l'esprit critique, par Madame Goudurier, je crois, Coudurier, conseillère d'AC Créteil. Et enfin, l'atelier, la restitution de l'atelier 5 sur les stéréotypes et la discrimination par Mme Thierry de l'Académie de Normandie, je crois, coordinatrice Clémy. Vous me corrigerez progressivement si je me trompe. Donc, place aux acteurs principaux sur cette petite restitution et dans 40 minutes ou 50 minutes à peu près, nous repasserons progressivement dans les groupes. On se retrouve voilà, d'ici 40 minutes pour pouvoir refaire un petit point technique, parce que la technique sera importante cet après-midi. Donc, sans transition, je passe la parole à Mme Grandpierre, qui peut se représenter, et pour nous parler de l'atelier numéro 2. En tout cas, merci beaucoup, Mme Grandpierre, pour cette participation et pour votre engagement au service de l'EMI, cause nationale, si j'ose dire. Merci, Mme Grandpierre. Je vous en prie. Donc, bonjour à tous. Nous avons pu échanger donc lundi autour de l'engagement. Donc on avait une situation initiale. Donc dans cette situation, on s'est demandé en fait comment, quelles actions on pouvait mettre en œuvre pour conforter l'EMI comme vecteur d'engagement citoyen, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait une multiplication d'actions au sein des académies qui n'étaient pas toujours lisibles en fait. Hein. Il y avait presque une juxtaposition d'actions, mais qu'il n'y avait pas de réel pilotage académique. Et c'était tout l'objet de notre atelier, c'était de réfléchir à comment impulser une dynamique académique autour de l'EMI comme vecteur d'engagement citoyen. Donc, Madame Bolusset, qui est, je crois, connectée, nous a donné son exemple, un exemple de ce qui se fait dans son académie Aix-Marseille. Elle pourra me corriger si je me trompe. À Aix-Marseille, ils ont proposé une formation commune, donc CPE et professeur documentaliste, sur l'animation de débats autour de valeurs de la République. Et ils ont aussi créé un espace EMI sur chaque site disciplinaire, avec notamment des fiches prêtes à l'emploi auxquelles chaque enseignant ou personnel a accès. Le fruit de notre réflexion en fait pendant cet atelier, il a été énormément nourri par Madame Martin et Madame Lossens, je ne sais pas si elles sont connectées également, donc de l'Académie de Limoges, et c'est surtout leurs actions que je vais présenter. Hein. Donc, il s'agissait de créer une équipe ressources académiques liant des compétences transversales, donc EMI et principes et valeurs de la République, qui sont en fait des équipes naturellement liées. Donc, au sein de l'Académie de Limoges, ils ont pu créer des plans de formation académique transversaux à destination de tous les personnels. C'est une présentation très enrichissante que alors je vais pas tout présenter parce que le diaporama était riche, mais on a retenu surtout une équipe qui pourrait être très intéressante. Et puis en fait, a posteriori, après cet atelier, j'ai réfléchi de mon côté, je me suis dit aussi qu'on pouvait inscrire l'EMI et enfin lier EMI et principes et valeurs de la République au sein du programme phare que je pourrais représenter brièvement. Donc pour reparler de l'exemple de Limoges, ils ont créé donc une équipe de recherche, donc une ERR, une équipe de recherche pardon et de réflexion valeurs de la République et EMI. Elle est constituée d'un IPRVS, 4 professeurs documentalistes, un CPE, enfin je vous ai mis voilà les participants. Donc les objectifs, c'est recenser les actions existantes dans les établissements, hein, pour qu'il y ait un vrai en fait retour de terrain, avoir une réflexion sur les points de programme disciplinaire. Donc là on est vraiment sur une recherche d'ajustement des programmes pour les lier d'une façon transversale à l'EMI et aux valeurs de la République. Donc, ils ont créé des supports et des ressources avec aussi un espace tribu, des formations PUF. Alors, chez nous, c'est PAF, mais voilà. Ils ont aussi, donc, ils participent, cette équipe ERR participe aux formations de la laïcité sur le point spécifique du complotisme. Excusez-moi. Donc, oui, donc pour un pilotage au niveau local, il faudrait évidemment associer les personnels de direction et puis les membres du cabinet aussi pour un pilotage académique. Donc, les leviers hein, de cette ERR qui est mise en place à Limoges, c'est évidemment le volontarisme des personnels.
En fait, eux, leur prérequis à Limoges, c'était qu'ils avaient déjà une équipe EMI constituée et déjà une équipe Valeurs de la République avec des membres communs, du coup, dans cette ERR Valeurs de la République et EMI. Et ils font appel à des partenaires qui sont déjà bien installés, donc comme Canopée et puis le Clémy, dont Madame Le Sens est coordinatrice, si je ne me trompe pas. Les freins, bah, c'est que c'est une petite académie, donc il y a un risque de sursollicitation des mêmes personnels. Et puis c'est un travail évidemment à long terme. Donc on imagine que pour les académies plus vastes, on pourrait multiplier les personnes ressources qui vont composer cette équipe. Et au niveau du calendrier, on pourrait envisager la constitution d'une équipe dès le printemps, en fait, hein, pour être opérationnelle dès septembre. Ensuite, moi, j'avais pensé au programme phare. Donc, ce programme national, c'est un plan, donc un plan de prévention pour lutter contre le harcèlement à l'école. Et dans ce plan, il y a le fait que les établissements doivent constituer une équipe ressource de 5 personnels formés à la thématique, qui sera formée à la thématique du harcèlement. Donc, je me suis dit pourquoi pas se rapprocher des superviseurs académiques pour inclure dans la formation de cette équipe ressources les notions de EMI et de valeurs de la République. Et en fait, il y a déjà des modules qui existent qui vont un peu dans ce sens. Je vous en ai mis quelques exemples, les parents et le numérique, le cybersexisme, la cyberviolence. Dans ce programme phare, dans ce plan, il y a aussi 10 heures d'apprentissage qui doivent être dispensées aux élèves du CP à la 3e. Donc, c'est 10 heures annuelles. Et il y a aussi des modules liés à l'EMI, aux valeurs de la République, comme l'éducation aux réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Donc, si on prend cet axe-là et on peut rentrer dans le programme phare, les leviers actionnés sont évidemment, du coup, les chefs d'établissement. Enfin, ce sera évidemment des personnes ressources. Et l'avantage, c'est qu'on a un support académique, puisqu'on a des superviseurs, et on a un support national. Il y a évidemment une pluridisciplinarité des personnels. Hein. Cette équipe ressources, c'est 5 personnes au sein de l'établissement et donc c'est toutes disciplines confondues. Et puis, on implique directement les élèves. Les freins, et le plus grand frein, c'est que les établissements doivent évidemment être engagés dans le programme, ce qui n'est pas encore le cas partout. On n'est pas à 100% au niveau national. Et puis, c'est de travailler avec les superviseurs qui sont parfois peu identifiés en académie. Du coup, il faudrait pour ça donc associer le cabinet pour un copil. Voilà, c'est à peu près tout sur cet atelier. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas à partager vos questions via le chat ou même à prendre la parole, puisque là, donc, on est quand même en petit comité. Et donc, si vous souhaitez prendre la parole directement, vous en avez la possibilité. En tout cas, en attendant peut-être les questions à destination de Madame Grandpierre, voilà, juste une précision. Donc, vous voyez que, comme on le dit souvent, hein, et même si on peut-être j'enfonce des portes ouvertes, là, en l'occurrence, mais on n'est pas tous pilotes académiques. Donc, voilà, c'est aussi enfin, l'EMI est aussi fortement dépendant du pilotage, qu'il soit académique, départemental ou local. C'est-à-dire qu'il est l'EMI ou la réalisation de l'EMI, et vous le verrez dans le cadre de vos PAF, est indissociable de la cohérence en fait de ce qui se passe en académie. Cette idée de recherche, de RR, de recherche est quand même assez pertinente, de développer des groupes de réflexion, mais qui deviennent au fur et à mesure opérationnels. Donc tout cela est quelque chose d'essentiel. Et c'est à nous, en tout cas vous en tant que stagiaire qui êtes convoqué au titre par vos recteurs, donc au titre de représentant académique, d'animer hein, ces groupes, de les mettre pour que tout puisse se mettre en œuvre au niveau local. En tout cas, Madame Grandpierre, c'était une restitution très très claire et puis tout à fait fidèle à l'atelier que nous avons mené ensemble. Merci beaucoup. Je ne vois toujours pas de questions, donc je vais donner tout de suite la parole pour une dizaine de minutes donc à l'atelier maintenant numéro 3. Donc, représentés par Monsieur Jiquel et Madame Lamourou, donc ils vont se représenter s'ils le souhaitent sur un autre sujet, hein, les compétences et le parcours EMI, parce que c'est vrai que vous le verrez dans le vadémécum apporte beaucoup de choses, mais la dynamique des parcours est peut-être encore à approfondir et peut-être que donc Monsieur Jiquel va nous éclairer à ce sujet. Guillaume, je t'en prie.
Bonjour, je vais laisser la parole d'abord à Mireille qui devait commencer à présenter les enjeux de l'atelier tels qu'on les avait établis et puis aussi tout un ensemble de ressources qu'on vous communiquera plus tard avec l'enregistrement quand il sera en ligne. Mireille, à toi. Oui, on se présente d'abord Oui. Bon, oui, bon, d'accord. Moi, je suis à la DNE, Direction du numérique, au département de la stratégie des partenariats, et je suis chargée, depuis que je suis au département, des dossiers éducation média à la formation, citoyenneté numérique, culture numérique, entre autres. Donc Guillaume Jiquel du Bureau de l'égalité et de la lutte contre la discrimination, qui travaille aussi sur toutes les questions d'éducation à la citoyenneté, dont celles qui ont trait à l'EMI. Voilà, donc on va faire la restitution à deux voix. Je vais commencer, puis Guillaume va poursuivre plus précisément sur la production de l'atelier, et puis je conclurai. Alors, avant de donner l'objectif et la situation, en préambule, quelques propos pour dire que cet atelier, et on est plusieurs à l'avoir constaté, c'est sans doute le plus généraliste de tous les ateliers d'approfondissement qui ont été proposés dans ce PNF. Alors, ça a pour intérêt le fait que ça a permis de faire s'interroger sur ce qu'est l'EMI, sur son périmètre, sur les acteurs concernés, sur leur complémentarité, sur les stratégies à adopter, sur l'évaluation, etc. Enfin, principalement. Mais vous voyez qu'on a, ça nous a donné l'occasion de nous interroger sur pas mal d'aspects très importants de l'éducation média à la formation. Alors, vous le savez, à l'heure actuelle, on ne dispose pas d'un parcours cadre global de l'EMI, de l'école au lycée. C'est une proposition du rapport du groupe d'experts produit l'année dernière, piloté par le CLEMI et la DGESCO. Ça fait partie des recommandations, plutôt des propositions, de travailler sur un continuum. Alors, il y a plusieurs raisons, et on y reviendra tout au long de la restitution, notamment au moment du bilan, mais c'est quand même notamment dû au fait qu'on est face à un ensemble complexe, l'éducation média et la formation, qui évolue sans cesse. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Ce que constatent les différents rapports, dont celui dont je viens de parler, et aussi le dernier rapport Bronner qui vient de paraître, c'est que ce n'est pas la quantité de ressources qui manque. Elle est même foisonnante, disent-ils, mais elle est aussi disparate et pas cohérente. Et dans cette offre, la proposition de parcours proposée n'échappe pas à ce constat. Donc, cette réflexion, ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'elle n'est pas récente. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'elle nous préoccupe, bien avant l'adoption du concept intégrateur de l'EMI, quand on travaillait sur la maîtrise de l'information, la culture informationnelle, de façon séparée à la culture des médias, l'éducation aux médias. Donc, on avait produit en 2010 un PACIFI, qui dit quelque chose peut-être à certains, repère pour la mise en œuvre du parcours de formation à la culture de l'information. Voilà, c'était une des premières productions, je crois, qui ressemble à un parcours. Alors aujourd'hui, la demande, elle est très, très forte. La preuve, c'est qu'on avait presque 15 participants à l'atelier. Alors l'objectif de l'atelier, c'était quoi? C'était de guider la réflexion pour la construction de parcours EMI qui soit lisible, utile, qui propose une continuité par des progressions et qui soit facile à appréhender par les acteurs. Et on a voulu le faire à partir de l'existant, de l'analyse de l'existant. C'était aussi de lister les questions qui se posent lors de la construction des parcours, des progressions, des compétences et de leur évaluation. Alors, comme on le sait, on ne part pas de rien, hein, on dispose d'un grand nombre de repères. Au niveau institutionnel, vous le savez tous, on a les orientations pour la mise en œuvre au cycle 3, 2 et 3, produit par le CSP. On a un programme dédié, complètement dédié au cycle 4. On a l'introduction des compétences EMI dans la plupart des programmes disciplinaires. Pour les enseignants et les formateurs, le CLEMI a proposé récemment un référentiel EMI. Et plus précisément au niveau des parcours, les académies en ont produit un grand nombre.
des parcours. Le premier, un des premiers, je ne suis pas sûre que c'est le premier, mais je crois que c'est la matrice EMI de l'Académie de Toulouse. Puis après, il y en a eu d'autres, hein, produits par d'autres académies. Mais on a surtout des parcours thématiques, plus ou moins spécifiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans Magistère, puisqu'on a une dizaine de parcours Magistère sur l'EMI, relatifs à l'EMI plutôt, qui sont dans des entrées différentes, hein, dans des entrées disciplinaires, dans des entrées dans l'entrée numérique, et puis sans entrée nommée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la désinformation, les réseaux, pour ne pas vous surprendre, hein, ce sont des thématiques très actuelles qu'on travaille tous, la désinformation, les réseaux sociaux, l'identité numérique, les stéréotypes et les discriminations, la conception d'une web radio, etc. Pour n'en citer que quelques-unes et parmi les thématiques récurrentes. Alors, je n'ai pas dit que dans l'offre institutionnelle, on a aussi PIX, qui est le seul parcours aujourd'hui qui propose une architecture d'ensemble des compétences numériques. Alors, il y a plusieurs intérêts à ce dispositif, c'est qu'il est ouvert à tous, conçu pour une formation tout au long de la vie, il est évolutif, bientôt on aura un PIX par an, et que on constate qu'on a une forte adéquation entre EMI et PIX. C'est pourquoi on a proposé PIX comme situation de travail pour le travail en sous-groupe. Et là, je laisse la parole à Guillaume. Alors, je vais vous décrire, merci Mireille, rapidement la situation qu'on a mise en place, pourquoi on l'a mise en place, puis les résultats ensuite de cet échange, pour ensuite vous décliner quelques propositions qui ont émergé de l'atelier. On a eu beaucoup de partage, hein, de pratiques dans cet atelier, avec des diffusions de documents qu'on communiquera aussi. Alors, on a proposé à l'ensemble du groupe de travailler sur le cadre de référence du document d'accompagnement mis en œuvre du CRCN, et puis de travailler sur quelques doubles pages qui développent certaines compétences, et on demandait de commenter les référentiels qui étaient cités dans ces doubles pages de compétences. On avait choisi mener une recherche, une veille d'information et interagir. Donc on demandait des commentaires sur les référentiels, sur les notions qui étaient abordées, sur les pistes d'activité proposées et les acteurs qu'elles impliquaient, et puis la progression par niveau qui est aussi proposée dans ces fiches. L'idée était véritablement de travailler sur une base qui fait consensus et puis qui est déjà une base de travail travaillée en académie. Alors, dans les différents groupes, on a eu pas mal d'échanges et d'interrogations sur le fait que ce référentiel était basé sur les outils et la technologie, qu'il y avait peut-être des aspects informationnels, civiques autour de la citoyenneté numérique qui pouvaient être développés. C'était un petit peu l'objectif avec Mireille lorsque l'on a proposé ces activités, de faire apparaître des éléments qui pouvaient nourrir des parcours ou des progressions. Et ces éléments, c'était autour des notions, autour des référentiels, autour des pistes d'activité pour mettre en évidence la nécessité de multiplier, hein, les situations disciplinaires pour concerner un maximum d'acteurs, poser la question aussi des différents acteurs qui sont dans l'établissement ou hors de l'établissement, et puis réfléchir aussi sur la notion de progression, le lien entre parcours et progression, la différence entre les deux notions, c'est quelque chose qui avait été abordé en matinée, sur les différents types de parcours, hein, les parcours élèves, les parcours enseignants, des parcours globaux, spécifiques, thématiques, et puis aussi au niveau de la réflexion sur la progression, l'articulation entre les cycles, entre les degrés, entre les différents acteurs, je l'ai dit, sur l'éducation formelle ou l'éducation informelle, et puis l'implication plus générale de toutes les disciplines. Alors, une fois qu'on a pu échanger là-dessus, on a eu beaucoup de propositions dans les TERPAD à deux niveaux. Alors, on a regroupé avec Mireille les idées clés en termes de formation, et puis ensuite on a pu aussi et on peut aussi vous proposer une typologie des différentes actions sur les parcours qui nous ont été proposées. Alors, en ce qui concerne les idées
en termes de formation, on les a regroupés à trois échelles. Il y avait beaucoup de propositions sur des demandes locales, comme penser des progressions disciplinaires au sein des équipes. On a eu plusieurs exemples qui nous ont été proposés par des enseignants de l'Académie de Bordeaux, de Normandie, de Strasbourg. On a eu des propositions de fil sur des parcours EMI en lien avec les CRCN, des fils interdegrés, la mise en place de personnes ressources ou de désignation de personnes ressources par bassin, l'implication des cités éducatives aussi qui a été évoquée, et c'était à peu près tout pour ce niveau local. Ensuite, des propositions académiques qui ont été aussi formulées, donc là plus classiquement la mise en œuvre de plans de formation en EMI prenant en compte le premier et le second degré, c'est souvent revenu évidemment par rapport à notre problématique de continuité, et la formation de personnes ressources aussi pour accompagner les équipes pédagogiques et les établissements scolaires, là pour faire le lien avec les formations locales. Et puis troisième type d'idée en termes de formation, la poursuite des actions nationales, la formation du personnel d'encadrement à l'IH2EF en EMI, une sensibilisation des cadres paraît importante et un levier déterminant, la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir à l'élaboration d'un ou de plusieurs parcours EMI et d'une progression peut-être par cycle, et puis des réflexions autour des programmes d'EMC pour intégrer les aspects numériques et médiatiques et informationnels. Alors ensuite, on a aussi eu beaucoup de partage d'actions des différents participants, et on a pu donc dresser une typologie autour de quatre approches. On a eu des propositions autour d'approches interdisciplinaires. J'ai parlé tout à l'heure de l'Académie de Bordeaux, de Lille, mais aussi de Paris et de Strasbourg, qui impliquent les lettres, l'histoire géo les SNT et le MC. Donc on a pu échanger avec les enseignants là-dessus qui nous ont proposé des idées de progression intéressantes. Ensuite, on a eu une approche intercycle, l'Académie de Nice, et ce qui était intéressant, c'était une approche intercycle pour le premier degré, donc du cycle 1 au cycle 3, des maternelles jusqu'au CM2. On a ensuite une approche thématique de l'Académie de Normandie avec le projet éducation aux écrans qui part véritablement de la thématique des réseaux sociaux et qui essaye d'articuler une approche citoyenne en termes de connaissance de droits et de devoirs, de connaissance de risques, d'analyse de l'information, avec déjà des parcours d'élèves qui sont très détaillés, des parcours pour les lycéens. Et puis dernière approche, des approches intégrées, généralistes. Là, c'est une proposition de l'Académie de Mayotte qui a décliné quatre parcours, dont un qui reprend réellement les éléments de PIX, qui s'appelle Découvrir, connaître et comprendre, qui décline les différentes thématiques, les différentes compétences de PIX. Un deuxième parcours généraliste pour les élèves qui s'appelle Rencontrer les personnels médias et information. Un troisième parcours qui s'appelle Pratiquer, et un dernier sur Valoriser. Et à chaque fois, dans ces parcours, sont proposées des thématiques, voire des pistes de mise en œuvre très concrètes. Alors, dernier type d'action qui nous sont remontées, ce sont des actions de formation avec des actions pluricatégorielles à Aix-Marseille, des actions de formation initiale à Orléans-Tours, et puis des formations qui partent réellement des parcours à Mayotte, des parcours citoyen avec un développement du volet EMI dans le parcours citoyen et couplé à un parcours EAC. Voilà. Je te laisse conclure, Mireille. Pardon, j'avais coupé mon micro. Attendez, je reprends. Excusez-moi. Alors, pour le bilan, de façon synthétique évoquer les leviers hein,
qui nous freinent donc dans la construction de ces parcours. Des leviers qui sont des opportunités, qui devraient être des opportunités pour les construire, les freins qui nous freinent, et puis voir quelles sont les perspectives. Alors, au niveau des leviers, et là, je reprends des idées qui ont été évoquées dans la matinée, puisque, si vous vous souvenez, la question a été évoquée deux ou trois fois, elle a été posée même de façon très explicite, la question de la construction des parcours et de la progression. Donc, il y a déjà des idées qui ont été énoncées et que je reprends dans ce bilan. Au niveau du second degré, il faudrait que tous les projets qui sont mis en œuvre mettent le professeur documentaliste expert au centre. Deuxième levier, pour que l'ensemble des personnels s'approprient le sujet, il a été évoqué l'intérêt de la conférence de consensus. Et on sait que ça fonctionne. On a relevé l'importance de travailler sur les projets transdisciplinaires. L'importance d'utiliser les dispositifs interdisciplinaires, donc on a vu dans les différentes productions académiques que le bénéfice qu'on en retire, que ce soit les EPI, les classes médias, les ateliers, les formations d'initiatives locales et d'autres dispositifs. Qu'une base de projet, sans doute incontournable, c'est la production de médias par les élèves. Concernant les partenaires extérieurs, le fait que leurs interventions doivent toujours venir en complémentarité de projets existants. Que lorsque l'on s'ouvre aux différents partenaires extérieurs, qu'ils soient professionnels ou associatifs, on n'oublie pas de travailler sur des sujets un peu oubliés ou sur des enseignements un peu oubliés comme l'EAC, l'enseignement artistique et culturel. Et puis enfin, la participation des parents, leur implication est très importante, particulièrement au niveau du premier degré. Concernant les freins, comme évoqué en introduction, il est complètement inhérent à la nature même de l'éducation aux médias de l'information. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un écosystème complexe qui comprend une multitude de cultures informationnelles, médiatiques, numériques, technologiques, civiques principalement. Et par conséquent, on a affaire à un positionnement pas toujours très clair de l'OMI dans sa relation à l'information documentation, à la culture numérique, d'une part, et puis par rapport à des notions comme la citoyenneté numérique ou l'esprit critique. Qu'est-ce qui est dans quoi ? La question se pose régulièrement. Et surtout, ça pose, quand on construit un parcours, la question des entrées. Par quel bout on le prend ? Une autre difficulté, elle tient à la caractéristique, ça a été dit le matin aussi, aux caractéristiques de toutes les éducations A, pas forcément objectivables, comme peuvent l'être les savoirs disciplinaires, qui traitent la plupart du temps de questions vives, qui rendent son approche délicate et qui en font aussi leur fragilité. Et cela pose particulièrement la question de l'évaluation de l'EMI qui prenne en compte toutes ces facettes. Ce n'est pas toujours facile. Là, actuellement, on sait, on a un groupe de travail qui approfondit la question de l'esprit critique sur ces aspects-là, sur la question de l'évaluation. Donc, cette année, on aura le résultat de la production des groupes de travail sur l'évaluation de l'esprit critique. C'est pas simple. Une autre difficulté, c'est la question de la multiplicité des acteurs concernés. Comment on élabore des stratégies de co-construction de parcours ou de construction de parcours complémentaires qui fassent sens pour l'élève. Alors, quelle perspective, maintenant qu'on a vu les leviers et les freins, on sait que l'offre la plus importante concerne le cycle 4, ça veut dire qu'il nous reste à renforcer l'offre au niveau du premier degré et du lycée. Alors, on a une multitude de parcours possibles, on l'a évoqué par le résultat des travaux des productions académiques. Les parcours, ils sont produits par culture, infodoc. On a des parcours infodoc, des parcours numériques, des parcours autour de la citoyenneté numérique,
pas beaucoup, mais il y en a, par entrée disciplinaire ou interdisciplinaire, par niveau ou interniveau, cycle et intercycle, et évidemment par croisement de ces différentes entrées, mais aussi par public élève, enseignant, parent. On n'a pas parlé des exemples étrangers, des référentiels étrangers, mais on pourrait s'appuyer ou réfléchir en tout cas à des productions assez récentes. Par exemple, l'État de Singapour a produit, c'est le ministère des communications qui l'a produit, de l'information et des communications, qui a produit un référentiel qui est intéressant parce qu'il s'adresse à tous. Il est très simple. Donc, c'est un peu la philosophie de PIX avec un module d'auto-positionnement et puis une progression au fur et à mesure qu'on s'auto-évalue dans ce qui est proposé. Il est intéressant parce que c'est un parcours EMI, hein, EMI et numérique, c'est l'intitulé. Et c'est surtout parce que il a une architecture très simple. Donc ça peut nous faire réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une architecture simple, utile pour tout le monde, ou est-ce qu'on veut continuer dans quelque chose de beaucoup plus détaillé, à enrichir déjà l'existant dans ces différents types de parcours dont on a parlé, peut-être les deux. Et peut-être que c'est ça le défi, c'est de construire une architecture d'ensemble qui fasse s'emboîter toute cette diversité de parcours en proposant une progression de l'école au lycée. Voilà, et j'en resterai là. On a cité, juste Frédéric, une toute petite phrase de conclusion. On a cité beaucoup de références et on vous transmettra un document avec toutes ces références, les liens que l'on classera en fonction des différents éléments qu'on a voulu mettre en évidence pendant la restitution. Voilà. Oui, merci Madame Lamoureux, merci Guillaume pour ces interventions. Y a-t-il des questions à Madame Lamoureux, à Monsieur Jiquel, donc via le chat, ou vous pouvez directement prendre la parole par le micro, s'il vous plaît, si vous le souhaitez. Alors, donc bon, on attend, on interrompra au fur et à mesure. Alors, question suivante, enfin thématique suivante. Je vais donner la parole, si elle veut bien se connecter, à Madame Coudurier, donc de la DAC de Créteil, donc au sujet, voilà, en fait, de l'EMI comme vecteur de développement de l'esprit critique. Une petite précision avant de vous céder la parole, chère ancienne collaboratrice de Créteil. Donc dans le cadre des parcours, enfin en tout cas dans le cadre du plan national de formation Valeurs de la République, donc vous savez, il y a un magistère qui existe, donc un parcours magistère qui existe sur la laïcité et les valeurs de la République. Il y a un second qui est en cours de création. Et notamment, donc, on y consacre donc une partie quasi complète sur le développement de l'esprit critique, et on place bien évidemment l'EMI au centre. Donc, la sortie de ce magistère ne devrait pas tarder, mais sinon, on vous transmettra quelques capsules utiles de Brunner, de Gérald Brunner et Elena Pasquinelli à ce sujet. Voilà, merci. À vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis Stéphanie Coudurier, je suis conseillère culture scientifique et technique, et aussi danse, à la DAC du rectorat de Créteil, et je vais vous faire un rapide compte-rendu de l'atelier qui avait pour mission de croiser les enjeux de l'esprit critique et de l'EMI. Voilà, donc cet atelier a été conçu par Delphine Logier, qui est professeure de physique-chimie au Collège Jules Verne à Paris, et son collègue Christophe Adourian, qui est professeur de SVT au Collège Thibault de Champagne, Académique Créteil. Et ils sont tous les deux membres du groupe de travail 8 du Conseil scientifique de l'éducation nationale, éduqué à l'esprit critique. Donc cet atelier en fait a alterné des moments de théorie et des moments de pratique. Nous sommes partis d'une définition de l'esprit critique comme capacité à traiter de l'information, à analyser, à évaluer, mais qui met aussi en jeu des compétences, des compétences de curiosité, d'autonomie. Diapositive que j'ai repris à Delphine, et ceux qui étaient à l'atelier, n'hésitez pas à me dire hein, si c'est pas
si c'est pas fidèle à ce qu'on a dit. Donc ce schéma, il est intéressant dans la mesure où il montre que l'esprit critique, pardon, ça ne relève pas seulement d'une somme de connaissances, mais que c'est quelque chose de dynamique, qui nous permet de travailler la question de la preuve dans un argumentaire, de déterminer ce qui relève du vrai et du faux, de toutes ces capacités de mise à distance, de doute, tout en prenant soin d'écarter ce que vous avez appelé le relativisme total, c'est-à-dire de ne pas amener les élèves sur cette idée qu'il faut douter de tout de façon absolue, mais dans les moments où on a un doute, il y a quand même cette capacité à déléguer sa confiance via un travail sur la fiabilité des sources et sur l'évaluation de la qualité des preuves. Voilà. Donc, ce qui est en jeu dans cet atelier, c'était de confronter l'éducation aux médias et à l'information à l'esprit critique, puisque l'esprit critique étant cette capacité au doute, comment est-ce qu'on va lier les deux? Donc on a travaillé, on verra après en atelier, sur ces approches qui ont déjà été évoquées de transdisciplinarité, de partir d'un travail en classe où on amène les élèves à pouvoir se prononcer de manière objective, de manière rationnelle par rapport à des documents, à des choses auxquelles ils sont confrontés. Le lien entre esprit critique finalement et EMI, nous l'avons vu dans la médiation scientifique, c'est-à-dire la vulgarisation scientifique qui peut s'opérer par les journaux, les réseaux sociaux, les vidéos. Et nous sommes partis d'un certain nombre d'études de cas. Chaque groupe avait à analyser une situation. Donc ça allait d'un article de journal à une vidéo à un article humoristique sur l'ADN du monstre du Loch Ness. Nous étions en sous-groupe et nous avons tous travaillé sur 4 situations. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait la plupart des groupes, c'était le cas de mon groupe, j'étais qu'un collègue, nous n'avons pas eu le temps d'analyser toutes les situations, nous avons pris le temps de travailler sur les sources, sur la fiabilité. Certains groupes ont pu aller plus loin et ont travaillé sur la totalité des situations. Et la chose que nous avons repérée, c'est que nous sommes dans une réflexion sur les thématiques esprit critique EMI, nous avons quand même tous l'habitude de travailler sur ces choses-là. Donc chacun, si je reprends ce qui était dans le document commun, chacun a pris soin d'utiliser, par exemple, les décodeurs du monde. On voit qu'il s'agit de personnes qui ont l'habitude, qui recherchent la source initiale, qui confrontent le titre au contenu, qui travaillent sur la validité scientifique. Est-ce que ce sont des choses qui ont été validées par les pairs ou pas? Donc, en fait, on en a conclu que finalement, nous étions souvent, je reprends la diapositive de Delphine, nous étions, nous, dans un système algorithmique, c'est-à-dire que nous mettions en place une pensée réfléchie qu'on pourrait appeler logico-mathématique, c'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, nous connaissons le fonctionnement de la méthodologie scientifique qui vise à penser le monde, à l'expliquer de façon rationnelle, qui avance des théories qui sont réfutables, etc. Donc, il y a cette capacité à prendre une distance, à travailler sur les sources. Ce qui a été mis en avant, c'est que les élèves, souvent, eux, travaillent d'une façon qui est beaucoup plus spontanée. Ce qui a été nommé système heuristique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève plus de l'immédiateté, de la pensée intuitive. Ils font, par exemple, très attention au visuel. Des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut les balayer et qu'ils croient tout ce qu'ils lisent ou tout ce qu'ils voient,
mais que nous devons en fait faire veiller à partir de ces sources. Voilà, enfin de ces sources, de leur façon de procéder en classe et de ne pas coller tout de suite des analyses qui pourraient leur sembler complètement abstraites et hors sol. Voilà, donc on sait maintenant que le fait de transmettre des connaissances n'est pas suffisant. Donc on s'est attelé à savoir comment passer de cette réflexion plus ou moins spontanée que peuvent avoir les élèves à une compréhension, on dirait, méta ou plus distanciée. Tous ensemble, voilà, dans cette capacité à travailler sur des fondements qui seraient plus épistémiques. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que l'écueil, c'est d'amener les élèves à douter de tout, voilà, à penser que tout est dans tout et réciproquement et que toutes les informations se valent, que développer seulement qu'il y a des effets rebonds qui sont possibles. De partir vraiment de leurs préoccupations et de leur façon d'analyser les choses, de confondre débats scientifiques et médiatiques. Là, je m'étends pas. On a eu tout un panorama sur la différence entre le temps scientifique et le temps médiatique. Et on l'a vu au moment de cette pandémie ou de la publication scientifique, je sais plus si j'ai encore la diapo, voilà. De la publication scientifique jusqu'aux tableaux qui sont à couleur, il y a tout un tas d'étapes. Et le temps scientifique lui-même n'est pas le temps de la pensée, enfin du journalisme. Voilà, donc on s'est attelé à ça tous ensemble. Et il y a eu un Padlet des participants pour essayer de voir comment on s'y prendrait pour mettre en œuvre des pistes d'analyse. Donc, si je regroupe tout ce qui est apparu, en fait, il y a des idées qui se rejoignent. C'est à partir concrètement des élèves, de leur façon d'analyser, en les impliquant dans des enjeux et dans des prises de décision qui les concernent. Pas forcément partir sur des questions tout de suite socialement vives. Travailler en collaboration avec les profs de culture scientifique et technique, en interdisciplinarité avec l'EMI. Ensuite, pour clore l'atelier, deux questions nous étaient posées. Quelles pratiques dans votre académie vous mettriez en œuvre dès demain et à plus long terme? J'ai l'impression que là, comme on était un peu pressé par le temps, on a un peu zappé ces deux temporalités. Ce qui est revenu, là, c'est la collaboration entre les divers services de l'éducation nationale, CLEMI, DAC, une collaboration, une approche pluridisciplinaire. Voilà, donc, j'ai essayé d'être rapide, j'ai zappé, mais je pense que vous connaissez tout ce qui relève du fonctionnement des sciences, tout ce qui relève de l'épistémologie, qui est à connaître, etc. Voilà pour l'atelier Esprit critique. Merci. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup encore pour cette restitution encore très claire et très efficace. Voilà, et vous n'avez rien zappé, justement, vous étiez très concise et c'était parfait. Donc, vous avez les remerciements d'ailleurs des participants. Est-ce que y aurait-il des questions spécifique à cet atelier? Alors, on a une ou deux personnes qui sont en train d'écrire, donc probablement. On attend un tout petit peu. On aura du temps parce qu'on est un petit peu moins nombreux, vous verrez de toute façon pour les ateliers, donc un tout petit peu de temps. En tout cas, enfin, je tiens à préciser, en tant qu'ancien référent radicalisation, notamment du 93, c'est-à-dire le développement de l'esprit critique. Voilà, il est essentiel et c'est une cause nationale actuelle. Là, vous avez parlé de théorique, mais en pratique, si j'ose dire, vous le voyez parfois dans le regard des enfants, en fait, quand vous avez des entretiens en radicalisation. C'est-à-dire avec certains élèves qu'il faut rescolariser et où le travail doit être mené. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte de l'utilité aussi extrême qui amène, bien évidemment, à des situations extrêmes sur l'esprit critique.
Donc, je voyais des gens en train d'écrire, mais apparemment, ils n'écrivent plus. Donc, je ne sais pas. De toute façon, sinon, on reviendra à vous, madame. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Et on va demander maintenant donc à madame Thierry, je crois, de l'Académie de Normandie. Je me suis, donc voilà, si je ne me trompe pas, de prendre la parole. Donc tout de suite au sujet de l'atelier numéro 5 qui était le suivant sur les stéréotypes et les discriminations ou la discrimination. En droit, en termes juridiques, on parle des discriminations, mais on vous cède la parole tout de suite, Madame Thierry. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors j'ai eu un petit souci technique, donc voilà, j'espère que la connexion va rester stable. Donc bonjour à tous, moi je suis Céline Thierry, donc coordonnatrice du CLEMI en Normandie. Alors on a eu un petit atelier, hein, voilà, j'entendais que le premier des ateliers sur l'expression médiatique n'avait pas eu énormément de participants. Nous étions 5 ou 6 participants pour travailler autour de la question comment œuvrer à la déconstruction des stéréotypes et promouvoir une culture de l'égalité à l'école. Alors on s'est plutôt axé en fait sur les stéréotypes filles garçons. Et donc pour animer cet atelier, il y avait 4 intervenants, donc Virginie Sassoun qui est directrice adjointe du CLEMI et qui travaille de manière très régulière hein, sur cette question de l'égalité filles-garçons. Séverin Ledru-Milon qui est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et formateur également au CLEMI de Créteil. Manon Conan de l'ARCOM. L'ARCOM, c'est depuis le 1er janvier 2022 l'entité qui rassemble le CSA et Adopi et qui est donc un des partenaires de l'éducation nationale. Et puis enfin, Flora Rodriguez qui est chef du projet au CLEMI pour le concours Zéro Cliché. Donc voilà, on a eu un petit peu comme l'atelier précédent, c'est-à-dire que nous avons eu des apports et puis ensuite des quelques échanges, notamment sur les possibilités qui pouvaient être mises en place au sein de nos académies. Alors, un des éléments hein, qui est ressorti de nos échanges, tout d'abord, c'était que si tout le monde a bien conscience des stéréotypes, en fait, on n'a pas forcément conscience des impacts. Et Séverin Ledru-Milon hein, nous a partagé les ressources de l'ADEP sur l'orientation des filles-garçons et sur aussi des filières qui sont parfois totalement désertées, soit par les filles, soit par les garçons, alors que a priori ce sont des métiers qui pourraient être menés par les uns comme les autres. Donc premier point, avoir bien conscience des impacts de ces stéréotypes et en fait de ces stéréotypes qui naissent très très vite. Hein. Les chiffres de l'ADEP montrent que notamment dès le CP et le CE1, on a déjà des éléments qui sont fortement ancrés et qui vont avoir un impact après tout au long de la scolarité et même plus. Le deuxième point que nous avons abordé dans cet atelier, c'est la question de la virilité, c'est-à-dire que lorsque l'on évoque la question des stéréotypes filles-garçons, en fait, ce qui intervient au début comme idée, c'est en effet les stéréotypes plutôt contre les, enfin voilà, qui sont contre les filles. Alors que les hommes sont aussi impactés par les stéréotypes, notamment les stéréotypes concernant la virilité. Et nous avons échangé autour du livre, hein, notamment de Sylvie Héral, la fabrique des garçons. Et puis nous sommes interrogés également après avec l'ARCOM qui nous a présenté un reportage de France 2 tout à fait intéressant. Donc en fait, de ces échanges, on a pu aboutir au fait qu'il y avait un travail à mener sur la déconstruction de ces stéréotypes, mais par contre, que cette déconstruction devait vraiment être basée sur une approche méthodique,
sur les faits et non pas sur des entrées militantes, ce qui pourrait en tout cas être contre-productif, contre-productif par rapport aux élèves, contre-productif aussi peut-être parfois par rapport aux parents. Donc il y a deux exemples hein, qui nous ont été soumis. Donc dans cet atelier, on avait le coordonnateur du CLEMI Montpellier, Denis. Je ne sais pas si tu es dans les participants, tu pourras peut-être apporter des compléments après. Donc CLEMI, Denis, j'ai perdu son nom, qui intervient auprès des référents égalité filles-garçons dans les établissements scolaires. Et donc là, pour nous, c'était l'idée d'être vraiment au plus près des personnels qui sont référentes sur ces questions-là. Et Denis donc proposait un atelier sur les stéréotypes, notamment dans les médias. Un deuxième exemple hein, qui a été proposé, c'est justement tout le travail que l'ARCOM a fait avec l'Académie de Créteil. Alors on vous transmettra les liens, et notamment sur le site du CSA ARCOM, il y a des pistes possibles pour mener des ateliers, des séances de déconstruction de ces stéréotypes. Alors dans l'Académie Créteil, hein, c'est un véritable parcours de formation sur trois journées qui a été mise en place avec tout un travail donc sur la méthodologie, mais également avec l'intervention de personnalités qui œuvrent dans cette thématique-là. Je reprends mes notes. Rencontre avec des institutions, des personnalités engagées en faveur de l'égalité femmes-hommes. Une intervention également de l'ARCOM. Et puis tout un travail également donc avec des pistes de travail possibles dans les établissements. Alors, on a beaucoup échangé hein, sur les possibilités. Alors, c'est vrai que l'Etherpad a été rempli, mais peut-être de manière un petit peu succincte, parce que voilà, on a pas mal échangé. Ce qui apparaissait de manière très importante, c'était déjà le fait de mener des formations en présentiel. En effet, cette thématique hein, des stéréotypes de l'égalité entre les filles et les garçons, les différents intervenants expliquaient que à distance, ça pouvait être compliqué parce que soi-même, en tant que formateur, parfois on pouvait être amené à être mis en face de son propre regard par rapport à la thématique. Donc déjà, une des choses que l'on s'est dit, c'est que ces formations devaient être uniquement en présentiel, de manière aussi transdisciplinaire et intercatégorielle. Intercatégorielle parce que dans notre groupe, il y avait donc une infirmière qui expliquait, et on l'a bien, c'est un des leviers hein, qu'on a pu poser, que cette éducation aussi aux stéréotypes et cette déconstruction des stéréotypes, elle touchait l'éducation aux médias et à l'information, bien sûr, à travers les médias. Elle pouvait toucher également tout ce qui était donc citoyenneté, mais aussi les éducations à la sexualité. Et puis également, un lien a été fait avec l'éducation artistique et culturelle. Et là, on avait un certain nombre de ressources ou de thématiques qui nous sont venues à l'idée, notamment par exemple dans le cadre des matrimoniales hein, que les DAC connaissent bien, le travail aussi avec les archives départementales et moi je citais un travail qui a été fait par les archives départementales du Calvados pour voir dans les archives aussi la représentation de la femme au travers
l'air du temps. Donc, c'est des points d'accroche que l'on pouvait avoir. Donc, intercatégoriel, parce que bien sûr, ça ne concerne pas que les enseignants, ça concerne bien entendu les personnels de direction, ça concerne les infirmières, ça concerne les conseillers d'éducation. Donc ça nous semble extrêmement important d'avoir des formations intercatégorielles pour pouvoir ancrer et pérenniser des projets dans les établissements scolaires. Et puis je terminerai justement sur cette idée de projet, puisque Flora Rodriguez, donc du CLEMI national, nous a présenté le concours du CLEMI qui s'appelle Zéro Cliché. Zéro Cliché, donc c'est vraiment ouvert à l'ensemble des élèves. L'année dernière, en 2001, ce sont 700 productions qui ont été envoyées et plus de 6000 élèves qui se sont mobilisés avec voilà des exemples qui ont permis de faire bouger les choses aussi à l'intérieur de l'établissement. Donc voilà un petit peu pour nos axes. Donc si je reprends, c'est vraiment à ancrer une éducation à ancrer dans l'éducation à la citoyenneté, dans l'éducation à la sexualité, de manière intercatégorielle et transdisciplinaire. Voilà, j'ai fait peut-être un petit peu court. Pas du tout. Justement, voilà, c'est preuve encore de concision. C'est parfait, Madame Thierry. On vous remercie vraiment en fait de cet effort. Voilà, en tout cas, on note quelques commentaires, hein, donc avec quelques liens qui ont été précisés au fur et à mesure de votre intervention dans le cadre, donc notamment de Madame Gauthier. Voilà des liens sur des ressources du Centre Simone de Beauvoir, de la page CLEMI Protéger Éducation Médias, ressources pédagogiques de l'Académie de Créteil. Voilà, vous avez voilà des fiches CLEMI, donc vous pouvez vous nourrir un petit peu de toutes les ressources qui seront postées, mais sachez que de toute façon vous aurez des ressources aussi suite voilà au PNF et données par les divers participants. Donc merci beaucoup. Donc juste une chose pour revenir, et vous êtes et c'est vrai qu'on en parle des fois dans le cadre des valeurs de la République, la déconstruction, oui en effet, voilà, mais comme vous l'avez dit, voilà, déconstruction après la construction, c'est-à-dire en étant non pas dans une entrée militante, mais dans une entrée justement en fait logique de cohérence. C'est très important à souligner, parce que si vous travaillez avec certaines associations dans le cadre de la déconstruction des stéréotypes, vous aurez parfois affaire à des entrées militantes. Et donc, il faut vraiment faire très attention sur les interventions de certains types de partenaires sur ce type de sujet, puisque en fait, ça peut à la fois, certes, peut-être construire, mais aussi déconstruire certains concepts. C'est des concepts qui sont très, très difficiles, justement, à manipuler. Tous les concepts de déconstruction, déjà ceux d'Erida au départ, mais qui concernent plus la logique du discours, sont difficiles à maîtriser. Et voilà, nécessite une véritable attention de la part des pilotes académiques et des pilotes en établissement scolaire et des professionnels, bien évidemment, de l'éducation. Merci à vous. À tout de suite.